Je suis à Sherbrooke. Je travaille sur la conspiration que j'avais parlé. Ouais, ça, je suis pas revenu de 18h. Appelle la police. Oh shit, faut que je m'en aille, ils s'en viennent. We're clear. I'm getting tired de me cacher comme ça. Genre sur mon McGill Week. I can't stand mais dans une école francophone. We're one in the same, remember? Je vais entendre tout le monde le dire. Sherbrooke is McGill, our real roots. Oh shit, catch him! What is all so? T'es pas supposé savoir this. Je sais tout. How is that even possible? Détache-moi et je vais vous expliquer. Tout a commencé dans une rencontre du council des CS Games dont je fais partie. On mentionnait que McGill était plus venu aux CS Games depuis 2015. C'est là que j'ai commencé à faire mes recherches, puis ça m'a frappé. Depuis que Sherbrooke vient aux CS Games, McGill est plus là. Ensuite, les liens étaient faciles à trouver. McGill suit Sherbrooke sur Twitter et vice-versa. Le recteur de Sherbrooke a fait sa maîtrise à McGill. Qu'est-ce qu'une personne de pouvoir fait? Elle s'entoure d'amis. Jean Goulet, membre de la direction, a aussi étudié à McGill. Coïncidence? Je ne crois pas. Ça nous donne deux membres de la direction infiltrés. Deux, comme dans le score au football de Sherbrooke et de McGill. Deux victoires, six défaites. Pourquoi vous direz? Parce que ce sont les mêmes joueurs. McGill a été fondé en 1821. 1 x 8 moins 2 divisé par 1 égale 6. Encore un 6. Si on fait un rot 6 de McGill, on obtient 6 morts. Sherbrooke is McGill, our real roots. Il y a tout plein d'autres liens. McGill est situé sur la rue Sherbrooke. McGill Computer Science Undergraduate Society, le CSUS, comme Université de Sherbrooke. Et c'est pas tout. Si on considère les astres, là... Finalement, Jean Charest étudie à Sherbrooke, Justin Trudeau étudie à McGill. Ils se sont déjà rencontrés, ils se sont même déjà serré la main. God damn it! Les gants! What are we gonna do? Il va révéler notre secret à tout le monde, puis ça va être la fin de McGill and du DS. I know, écoutez bien. We hide in plain sight. On va au CS Games disguised as McGill. Why? On fait le flash out as a conspiracy theory video, as if Sherbrooke is McGill. And then, on invite 10 randoms, puis on les fait passer pour McGill. That's genius! À moi, j'ai l'argent peu! À moi, les complements!